En voilà des gens qui ont tout compris, sans plus attendre. Je vais aller boire un coup, moi aussi. Ah, vous ici, pris en flagrant délit une fois de plus. Bon, aujourd'hui, on va encore parler de vin. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau domaine. On va parler du domaine Modate. Alors, domaine Modate, c'est un petit domaine qui est dans la vallée de la Glie, donc vraiment nord du département, à Cassagne, exactement. Donc, Cassagne, c'est le village juste à côté de Caramani. Et eux, ils font des vins quand même assez particuliers pour le terroir, mais on y reviendra plus tard parce qu'aujourd'hui, on va parler du sans plus attendre. Alors, le sans plus attendre, c'est un rouge qui est fait du coup sur ce domaine-là, sur des bases de Syrah, en belle majorité, avec Grenache et Carignan. Il y a la moitié un peu moins hein, qui est passée en barrique, donc on ne veut pas trop marquer par le bois. Par contre, vous allez me dire, ah ben c'est Caramani, c'est des bases de Syrah, c'est des vins assez puissants, assez riches. Oui et non. Parce que comme je vous disais, ils ont une grosse particularité, c'est le terroir, c'est vraiment le sol. Parce que Caramani, on est plutôt habitué à du schiste, du granit. Là-bas, c'est du gneiss. Alors le gneiss, qu'est-ce que c'est? C'est un résidu du granit. Donc en fait, ça va être vraiment juste une roche qui est beaucoup plus friable, qui est plus poreuse, qui va mieux tenir l'eau. Et comme elle est plus friable, ben, les racines vont aller plus loin pour aller chercher l'eau. Ça va donner des vins qui sont plus rafraîchissants, qui sont plus élégants que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, on va avoir des vins quand même assez généreux, denses avec du volume, mais très fins, très souples. C'est vraiment pas les plus lourds. Donc on a quelque chose qui va plutôt s'exprimer sur ce côté fruits mûrs, fruits noirs, avec beaucoup d'élégance. C'est pas un vin à côte de bœuf. On va pas aller sortir le gros barbecue. On va faire un petit magret de canard. On va faire un carré d'agneau. On va partir sur une belle pintade au mori. Ça marchera très bien. Même juste un lapin rôti avec, ça marchera. Après, ça va rester des vins quand même à ouvrir à l'avance, à laisser ouvrir de bonnes heures quand même. Le laisser respirer, le laisser s'aérer, à rafraîchir aussi avec les températures qu'on a actuellement. Parce qu'en rouge, même ouvert à l'avance à 30 degrés, c'est compliqué. Donc profitez-en, c'est vendu 20 € seulement, dispo en boutique et sur internet. Et venez le goûter. À bientôt. Adieu!